Mesdames et messieurs, j'ai besoin de ces responsables sur cette page. Parce que ce que je m'apprête à dire, il faut qu'ils entendent cela. L'heure est grave. L'heure est grave, il faut qu'ils entendent cela. Oui, un homme averti en vaut des milliers. L'heure est grave, il faut qu'ils comprennent ces conseils que je m'apprête à donner. L'heure est grave, il faut qu'ils entendent, qu'ils comprennent et que ça reste en eux ce que je m'apprête à dire. Je ne veux pas être complice de quelque chose. Je ne veux pas absoudre quelque chose. Je ne veux pas fermer l'œil sur ces choses-là. Non. Je ne veux pas être à côté et témoin silencieux de quelque chose. Je ne veux pas cela. Donc j'ai besoin que vous m'appeliez le colonel Mamadi Doumbouya, que vous m'appeliez le colonel Amara Camara, secrétaire, ministre secrétaire général à la présidence, s'il vous plaît. J'ai besoin d'un maximum de partage, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ouais. J'ai besoin d'un maximum de partage. Chers amis. Chers amis, j'ai besoin de cela. Alors, vous avez ici M. Fama Kanté, jeune visionnaire. M. Fama Kanté à l'état civil, jeune visionnaire sur la page, effectivement, jeune visionnaire, je suis le propriétaire, créateur de cette page. Vous avez partagé le live, mettez des étoiles. Fatmata Sou, merci beaucoup pour les 200 étoiles. Merci infiniment. Parce que ces étoiles-là aussi, ça aide la page, effectivement. Et voilà, c'est une manière de soutenir. Merci à tous ceux qui mettent des étoiles, tous ceux qui mettent des cœurs, tous ceux qui likent la vidéo. Merci à vous tous. Les amis, vous savez, Ahmed Sékou Touré nous a dit que pour ne pas qu'un peuple tourne en rond, il faut qu'il vive son présent de manière consciente. C'est très important. Je cite chaque fois cette citation, mais j'ai l'impression que les gens entendent, mais les gens ne comprennent pas. Pour vous donner une preuve que les gens, les Guinéens, les enfants guinéens, ils lisent souvent, mais ils ne comprennent pas. Ils entendent souvent, mais ils ne comprennent pas. Et ils ne savent pas lire entre les lignes. Avant de m'adresser au colonel Mamadi Doumbouya, avant de m'adresser au colonel Amara Camara, ministre secrétaire général à la présidence, je vais vous montrer encore une fois l'esprit noir. Je vais vous montrer encore une fois l'esprit noir de la plupart des jeunes Guinéens aujourd'hui sur la toile et en République de Guinée. Vous savez, moi je suis quelqu'un... J'aime l'excitation, j'aime l'adrénaline, j'aime créer des conditions parfois me permettant d'avoir beaucoup plus de savoir et beaucoup plus d'expérience. Mesdames et messieurs, j'ai fait un poste ce soir, banal, mais qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Merci beaucoup Ali Oussal pour les étoiles. Vous voyez ce poste que j'ai fait sur ma page, là où j'ai dit... C'est lui qui touche à l'intégrité physique et morale de mon président légal et légitime saura de quel bois je me réchauffe. Mesdames et messieurs, je vous invite à lire les commentaires que les gens ont écrits. Et là, on se rend compte du niveau intellectuel des jeunes Guinéens. On se rend compte du poids de l'obscurantisme. N'est-ce pas? Des jeunes Guinéens. Il y en a qui se permettent clairement de m'insulter. Ils n'ont même pas compris le poste. Je dis, c'est lui qui touche à l'intégrité physique et morale de mon président légal et légitime, saura de quel bois je me réchauffe. Je dis, légitime et légal. Oh non, il ne fallait pas. C'est des injures. Et tous ceux qui insultent, tenez-vous bien. C'est des noms issus du Mandingue. Si ce n'est pas des Traoré, c'est des Camara.
Si ce n'est pas des Konaté, c'est des Keïta. Tous ceux qui insultent. Et ces noms, ces patronymes, Peul, Diallo, Barry, Baldé, il y en a qui disent, Monsieur Kanté, qui est votre président légitime et légal? Sachant très bien que le colonel Mamadi Doumbouya n'est pas légal, encore moins légitime. Il y en a qui disent, Monsieur Kanté, on ne comprend pas, qui est votre président? Il y en a qui disent, Monsieur Kanté, s'il vous plaît, dites-nous. Il y en a qui disent, non, on sait déjà qui est votre président. Il y en a qui disent, il faut lire entre les lignes, effectivement, avant de commenter. Je provoque, pour me rendre encore davantage, l'esprit divisionniste des Guinéens. Mesdames et messieurs, il faut être aujourd'hui un nullard. Il faut être aujourd'hui un hypocrite pour ne pas accepter et pour ne pas admettre que le peuple de Guinée vit, traverse un moment terrible, un moment difficile de son existence. Chers amis, compagnons de lutte, je vous dis, taguez-moi le colonel Mamadi Doumbouya et taguez-moi le colonel Amara Camara parce que je dois leur parler les yeux dans les yeux. Je veux qu'ils comprennent ce que je m'apprête maintenant à dire. À la prise du pouvoir le 5 septembre dernier, à la prise du pouvoir, le colonel a sorti une phrase emblématique. La Guinée est une femme qui a besoin de l'amour et qui n'a pas besoin d'être brutalisée. C'est ce qu'il a dit en grosso modo. La Guinée est une femme qui a besoin qu'on la fasse l'amour dans la douceur et non qu'on la brutalise. C'est la phrase emblématique du colonel Mamadi Doumbouya. Colonel Mamadi Doumbouya, colonel Amara Camara, dispatchez cette vidéo s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Je vais vous dire par là que vous faites face à une situation extrêmement grave, extrêmement difficile à résoudre. Vous savez, la Guinée est cette femme qui a épousé un premier homme très intimidant, très orgueilleux et très digne. La Guinée est cette femme qui n'a pas su profiter de sa féminité sous l'influence grandiose de cet homme intimidant, imposant. La Guinée n'a pas su s'épanouir sous la grandeur, sous l'autorité de cet homme. Et après la mort de cet homme, la Guinée a épousé un deuxième homme. Un deuxième homme brut, qui n'avait pas grand chose dans la tête. Un deuxième homme qui l'a laissé dans une sorte de libertinage. Laissez faire ce que tu veux. La Guinée a goûté à ce qu'on appelle le libertinage et non la liberté. La Guinée est devenue une femme extravagante. La Guinée s'est épanouie dans l'anarchie. La Guinée ne s'est pas épanouie à travers les principes. Et dans ce deuxième couple, la Guinée n'a pas su ce qu'on appelle les principes du couple. La Guinée, alors, est partie de libertinage en libertinage. Cette femme guinéenne a bafouillé les vertus, les principes du mariage. Parce qu'évidemment, vivant avec un homme qui ne sait pas aussi ce que c'est que les principes et qui n'a jamais appliqué les principes du mariage. Alors, la Guinée a perdu sa dignité de femme. La Guinée a perdu son intelligence de femme. La Guinée est restée comme ça, dans l'anarchie. La Guinée sortait quand elle voulait et rentrait quand elle voulait. La Guinée est devenue hypocrite. La Guinée est devenue démagogue, cette femme.
Et parfois, la Guinée se vendait même. La Guinée vendait même son corps pour se nourrir, pour se vêtir et pour se faire plaisir. La Guinée est devenue une femme sans vergogne. La Guinée est devenue une femme sans aucun principe, sans aucune valeur. Et la Guinée a perdu son histoire et son exemplarité. La Guinée est restée sans repère. Colonel Mamadi Doumbouya, cette femme guinéenne, colonel Amara Camara, cette femme guinéenne, elle a pris de l'âge, elle a goûté au libertinage. Et elle a continué le libertinage. Après la mort de ce deuxième homme, la Guinée a épousé un troisième, puis un quatrième, qui n'ont pas été à la hauteur de cette femme qui a goûté au libertinage et qui n'avait aucun principe, qui ne voulait pas aussi l'acceptation des principes de la société. Et donc, elle s'est débarrassée rapidement du troisième et du quatrième. Puis, elle est tombée sur un cinquième. Ce cinquième qui l'a séduit à travers les verbes. Ce cinquième qui l'a séduit à travers la subtilité de son langage. Ce cinquième qui était beaucoup plus habile en matière de langage. Ce cinquième a vendu du rêve à la Guinée. Ce cinquième a fait croire à la Guinée que oui, moi je vais t'épouser. Écoute, je vais t'envoyer partout dans le monde entier. Tu vas profiter des vacances. Je vais t'envoyer à Dubaï. Je vais t'envoyer aux États-Unis. Je vais t'envoyer en Allemagne. Partout dans le monde entier, tu vas voyager avec moi. Tu seras cette femme très épanouie, très instruite. Je ferai de toi une femme exemplaire. Je ferai de toi une femme que les autres femmes vont envier. Oui, il faut m'accepter. Non. Tête aux pieds. Tu vas t'habiller en or. Je ferai des vêtements d'or pour toi. Je vais t'orner. Tu vas manger, tu vas marcher sur la planète Mars. Je vais même louer le vol présidentiel américain. Nous allons sur la planète Jupiter. Je vais te donner tout ce que tu as besoin. Et quand tu tomberas enceinte pour accoucher, je vais t'envoyer là où tu veux pour accoucher. La Guinée s'est laissée berner. Oui, la Guinée s'est laissée berner. La Guinée a cru. La Guinée se dit, tiens, c'est mon prince charmant. Il vient de la France, il vient des États-Unis. Il a beaucoup marché, il connaît le monde, il a des relations. Tiens, c'est mon prince charmant. Depuis longtemps, je suis en train de chercher ce prince charmant. Et là, maintenant, il est à moi seul. Dieu merci. Mais cet homme était ce grand chasseur qui avait la langue beaucoup plus habile que les bras. Cet homme, la Guinée n'a pas tardé à se rendre compte de l'incapacité pratique de cet homme. Et la Guinée a compris que cet homme était un expert en matière de théorie. Au fur et à mesure que le temps passait, la Guinée a compris qu'elle s'était embarquée dans le mauvais bateau, qu'elle était dans le mauvais train, et que cet homme qui pilotait, qui était le conducteur de la locomotive, cet homme n'avait aucune maîtrise effectivement de la conduite de la locomotive. La Guinée a commencé à regretter. La Guinée est redevenue cette Guinée libertine. Sous son deuxième, dans son deuxième couple. C'est-à-dire, la Guinée est partie de mal en pire. Et donc, cette femme, ne connaissant aucune règle de la vie du couple. Parce que, évidemment, tous ces hommes-là qui l'ont épousée, ils ont refusé de lui montrer ce qu'on appelle les principes du mariage. De lui montrer ce qu'on appelle les règles du mariage. Ces hommes ont été incapables, effectivement, de dire à la Guinée que il y a ce qu'on appelle, moi l'homme, mes principes.
toi la femme, il y a tes principes. Mais à partir du moment où on est devenu mari et femme, il y a les principes du mariage que nous devons tous respecter. Toi la femme et moi l'homme. Oui. Nous devons respecter les principes du mariage. En respectant les principes du mariage, nous devenons effectivement un couple exemplaire. Toi, la femme, tu ne vas pas respecter moi mes principes. Moi aussi, l'homme, je ne vais pas respecter toi tes principes, mais les principes du mariage. Le mariage a un principe. Tout couple qui respecte les principes du mariage, ce couple-là vivra pour l'éternité. Parce que le mariage a des principes qu'il faut savoir. Et alors, un beau matin, un jeune homme de 41 ans s'est levé en disant, cette femme de 62 ans ou 63 ans, elle a tant souffert. Il faut que je fasse quelque chose. Je sais que cette femme ne peut plus me faire d'enfant, mais cette femme a besoin d'assistance. Cette femme, il y a longtemps, elle crie. Et j'ai entendu son cri du cœur. C'est une femme de 63 ans. Oui, qui a connu la souffrance, qui a connu l'humiliation, qui a connu les crimes de sang, des crimes économiques. Cette femme a besoin d'assistance. Alors, ce beau matin, ça sonnait dans les oreilles de tous les Guinéens. Pour d'autres, c'était un rêve. Et pour d'autres, effectivement, c'était une réalité. Il dit, bon, je vais épouser. Et le colonel Mamadi Doumbouya, de 41 ans, il a épousé cette femme, souffrante et souffreteuse. Alors, c'est là où le problème se pose. La femme de 63 ans dit, tiens, j'accepte, il a quand même l'âge de mon fils. Il a quand même l'âge de mon jeune frère. Il a quand même l'âge de mon cousin, l'âge de mon neveu. Il a quand même l'âge de mon petit oncle. Mais je vais l'accepter. Dans le lien conjugal, on n'a pas besoin de l'âge. Les années ne sont que des chiffres. L'homme vieillit dans la chair de sa peau. Qu'est-ce que cet homme de 41 ans est capable de m'apporter? Et c'est là. L'homme dit, je ne vais pas te brutaliser. Tu as connu la brutalité. Je ne vais pas te violenter. Tu as connu la violence. Je vais te faire l'amour de la manière la plus subtile. La plus subtile, sachant très bien que la femme n'oublie pas les mots. Parce que quand vous dites quelque chose à une femme, ça reste dans sa tête. Le jour que vous querellez, elle sort ça. Elle te dit, mais n'est-ce pas, c'est toi qui m'as dit ça au début de la relation, au début de notre couple, tu m'as dit ça. Alors, ça commence. Colonel Mamadi Doumbouya, monsieur colonel Amara Camara, vous devez comprendre que vous avez cette femme de 63 ans aujourd'hui qui est partie d'anarchie à anarchie, d'anarchie à anarchie, de libertinage en libertinage et qui est tombée dans votre main. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Est-ce que vous devez tout de suite imposer les principes de la vie, les principes du couple sur cette femme, pour qu'elle change? Ou bien est-ce que vous devez aller avec de l'intelligence? Parce que cette femme, elle est tordue. Tordue comme ça. Mais elle est complètement tordue. Alors, est-ce qu'il faut aller avec de la force pour qu'elle devienne droite? Il faut mettre cette barre-là dans le feu, la chauffer, et afin qu'elle devienne droite, ou bien il faut aller avec quelle méthode? Colonel Mamadi Doumbouya, monsieur Amara, colonel Amara Camara. S'il vous plaît, la Guinée n'a jamais connu les règles. Le droit n'a jamais été appliqué en République de Guinée. La loi n'a jamais été appliquée en République de Guinée comme ça se doit. Et vous, vous voulez appliquer la loi aujourd'hui strictement en République de Guinée. On dira que la loi, c'est la loi. Elle est dure. Mais vous savez, si vous ne faites pas attention, cette femme qui s'appelle la Guinée, qui est tordue et qui a du mal, c'est-à-dire qui a du mal à devenir droit, cette femme risque de vous fuir.
Oui. Cette femme, colonel Mamadi Doumbouya, colonel Amara Camara, cette femme risque de fuir. Elle risque de fuir. Soit, elle vous fait du mal. Parce que vous savez, une femme de 63 ans, on n'apprend plus rien à une femme de 63 ans. Surtout une femme de 63 ans qui a vécu dans toute sa vie ce qu'on appelle la pagaille, la violence, le crime, la brutalité et le libertinage. Qui a connu tout son drame. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Vous, vous êtes le sixième. Quel genre de femme? Quel genre de femme vous avez aujourd'hui, colonel? Vous avez une femme de 63 ans qui a connu un homme, deux, trois, quatre, cinq. Et vous, vous êtes le sixième mari. Et vous n'êtes que... C'est-à-dire, vous avez exactement l'âge de cette femme de 63 ans. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre à cette femme-là qu'elle ne connaît pas? Qu'est-ce que vous pouvez? Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette femme qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a pas entendue? Il n'y en a pas. C'est pourquoi les enfants de cette femme, ils vous disent, vous n'êtes pas notre papa légitime. Vous n'êtes pas notre papa qui est légal. Alors attention, oui, vous n'êtes pas un papa légal. Vos principes là, gardez ça ou bien allez mollo mollo. Et vous savez, quand on épouse une femme qui vient avec des enfants dans votre foyer, surtout des grands-enfants, il faut aller avec intelligence. Et surtout, ne parlez pas de la femme d'une certaine manière. Les grands-enfants risquent de vous regarder à travers les mauvais yeux. Et si vous outrepassez même, ils risquent de vous attaquer. Colonel Mamadi Doumbouya, colonel Amara Camara, je crois que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Les principes d'une société exemplaire, les lois pour une société exemplaire, l'application du droit pour une société exemplaire, l'application de la loi et du droit pour une société exemplaire, pour une société progressiste, pour une société qui veut le développement et la démocratie, ça n'a jamais été appliqué, colonel. Oui. Et vous, vous voulez appliquer à la lettre, rigoureusement, colonel. Vous allez y parvenir. Mais vous savez, comme disait mon grand-père, il m'a dit un jour, paix à son âme, je porte son nom. Il dit, Homo, Namalinke, Ntoroma. Il m'a dit, il y a une chose dans la vie, elle peut devenir mauvaise et elle peut devenir bonne. Mais qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui fait qu'elle devient mauvaise et qu'est-ce qui fait qu'elle devient bonne? Je dis, je ne sais pas. Il dit, ok, réfléchis. J'ai réfléchi, je n'ai pas trouvé. Il me dit, bon, écoute, la parole peut devenir mauvaise, la parole peut devenir bonne. Toute la parole peut devenir mauvaise et toute la parole peut devenir bonne. Mais, même une mauvaise parole qui sort dans la bouche d'un homme, à partir du moment où il met une certaine manière subtile dedans, ça peut devenir une très bonne parole. On peut insulter quelqu'un, mais à travers la manière, l'injure peut devenir une très belle parole. On peut parler c'est-à-dire avec politesse à quelqu'un. Mais à partir du moment où on mettra une mauvaise manière, c'est-à-dire à partir du moment où on se servira d'une mauvaise manière, cette parole-là, c'est-à-dire avec la politesse, peut devenir aussi mauvaise. Alors la manière, colonel Amara Camara et colonel Mamadi Doumbouya, la manière, oui, on dit ce que vous êtes en train de faire, c'est du bon boulot. Mais, vous savez, en Guinée, la Guinée est divisée. Ceux qui trouvent que la loi doit être appliquée strictement, ceux-là sont des divisionnistes. Vous savez pourquoi je suis en train de vous dire? Parce que vous savez, la Guinée n'a pas atteint encore ce niveau de progrès, ce niveau de développement. La société guinéenne n'a pas encore atteint ce niveau de perfection pour que la loi soit stricte,
pour qu'on applique strictement la loi. Pour que la loi soit appliquée strictement, il faut créer les conditions. Il faut créer les conditions d'application stricte de la loi. Eh oui, vous n'avez pas créé les conditions de vivre ensemble dans votre famille. Vous n'avez pas créé les conditions de respect dans une famille. Vous, le père de famille, vous n'avez pas créé les conditions de respect dans votre famille et vous voulez que vos enfants se respectent. Jamais ils ne vont se respecter. Vous voulez les imposer la force, même si vous êtes le père de famille, même si vous êtes l'autorité centrale, même si ce sont vos propres enfants. Il faut créer d'abord les conditions de respect. Et après avoir créé les conditions de respect, il y a des choses qui se font naturellement. Mais aussi, dans ces conditions de respect, vous pouvez imposer la loi. Vous pouvez appliquer strictement la loi et ça peut passer. Parce que la condition est déjà créée. Colonel Amara Camara, colonel Amadi Doumbouya, on ne vous dit pas de ne pas appliquer la loi. Mais vous savez, il faut aller doucement, doucement. C'est très important. La Guinée est un peuple profondément malade. La Guinée est un peuple profondément pauvre. La Guinée est un peuple qui a vécu dans l'anarchie. On est parti d'anarchie en anarchie, d'anarchie en anarchie. Et vous voulez qu'on change, c'est-à-dire qu'est-ce que... Vous voulez qu'on change d'un seul coup comme ça. Paf, comme c'est le contact. La lumière, vous, l'éclairage. Ça va être difficile. On doit aller doucement, doucement, mon colonel. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens trouvent que vous avez échoué et que vous êtes en train d'emprunter des mauvais chemins, colonel. Vous savez pourquoi? Parce que les gens n'ont jamais compris, les gens n'ont jamais su ce que c'est que l'application stricte de la loi. On vous dira, quelqu'un qui a passé 25 ans dans un lieu, 25 ans dans une maison, et vous venez le sortir comme ça d'un seul coup, vous êtes l'État, même si vous avez raison, la personne-là n'a jamais compris ce qu'on appelle l'application de la loi. Vous savez, parce que cette Guinée est partie d'anarchie en anarchie, 25 ans d'anarchie, c'est lui qui est là pendant 25 ans, on ne l'a jamais inquiété. Et vous venez d'un seul coup, vous voulez inquiéter cette personne. Alors les autres membres de cette famille, c'est-à-dire les voisins de ce monsieur, ils se diront, mais colonel, écoutez, non monsieur, écoutez, nous on est là, on a vu notre voisin, ça fait 25 ans, il est là, et puis vous voulez le sortir. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous vous prenez pour qui? Ils vont vous dire. Parce que ceux qui vous disent là, vous prenez pour qui, ils n'ont jamais su ce qu'on appelle l'application de la loi. On n'a jamais appliqué la loi comme ça se doit en République de Guinée. C'est ça le véritable problème de la République de Guinée. Vous savez pourquoi je vous interpelle, colonel Mamadi Doumbouya, colonel Amara Camara? C'est pour aller doucement, doucement. Ceux que vous dégagez de la maison, ce sont aussi des Guinéens. Allez-y doucement, doucement. L'État, dans ces procédures, c'est-à-dire dans cette procédure de récupération des domaines de l'État, nous comprenons. Vous aussi, vous comprenez. Ceux qui vous critiquent aussi, qui vous insultent, ils comprennent. Mais, écoutez, comprenez-les. Vous, l'autorité, comprenez-les. Ces enfants qui sont nés en 1980, les enfants de l'Anse Anakonté, comment voulez-vous qu'ils deviennent intelligents? Ils ont passé la quasi-totalité de leur vie dans l'anarchie. La loi n'a jamais été respectée. Vous dites à un enfant de l'Anse Anakonté, un enfant qui est né en 1980, de ne pas jeter la peau de banane dans la rue, il va te dire, mais tu es malade. Il y a quelle loi en République de Guinée qui dit qu'on ne doit pas jeter la peau de banane dans la rue? Vous le dites, ouais, vous avez mangé l'arachide, mais ne jetez pas ici, il faut aller jeter dans la poubelle. Il va vous dire, mais toi, tu es dingue. Qu'est-ce qui m'empêche? Ce que tu peux, il faut le faire. Il sait que la loi n'est pas appliquée. Il sait qu'il n'a pas raison, mais il ne comprend pas parce que ça n'a jamais été appliqué. Ça n'a jamais été appliqué. Une vendeuse au marché de Bonfi, une vendeuse au marché de Madina ou de Niengema, qui finit de vendre les feuilles de patate, le reste, bon, on n'a pas acheté tout, et puis elle ne veut pas ramener ça à la maison, mais elle trouve un caniveau, elle jette là-bas. Tu dis, mais madame, vous ne devez pas jeter là-bas. Elle dit, mais toi, tu es qui pour me dire ça?
Ça fait combien d'années, nous, on jette les ordures ici? C'est pas ça. C'est pas parce que ça fait combien d'années vous jetez des ordures ici que vous allez continuer de le faire. La loi ne vous permet pas. Mais c'est qu'en Guinée, on n'a jamais appliqué la loi, colonel Mamadi Doumbouya. C'est le véritable problème que vous avez aujourd'hui. Vous voulez appliquer la loi strictement, mais le peuple ne vous suit pas. Le peuple ne vous suit pas, mon colonel. Le peuple pense que vous êtes aigri. Le peuple pense que vous êtes contre quelqu'un. Le peuple pense que ça ne va pas dans votre tête, mon colonel. Excusez-moi de l'expression, mais c'est ce qui se dit. Le peuple pense que vous êtes méchant. Voyez-vous, votre peuple ne vous suit pas. Pourtant, vous devez accepter que le peuple vous suive. Vous devez créer les conditions pour que le peuple vous suive. Pour ce faire, colonel Mamadi Doumbouya, colonel Amara Camara, vous devez aller petit à petit avec le peuple. Et moi, je pense d'ailleurs que vous devez créer même une campagne. Vous devez créer au moins un cercle de jeunes, un groupe de jeunes ou bien des groupes de jeunes qui vont sensibiliser le peuple. C'est très important. Ça peut être même une propagande à la radio. D'accord? Que vous recrutez des juristes, qu'ils expliquent au peuple, qu'ils vont rencontrer le peuple, des juristes qui connaissent la loi guinéenne, qu'ils vont rencontrer le peuple dans les marchés, dans les quartiers, qu'on explique au peuple ce que c'est que la loi, comment il faut appliquer la loi. Dorénavant, après ces campagnes de sensibilisation, on va petit à petit appliquer la loi. On va appliquer la loi. Toi, tu as déjà entendu cette application de loi. Tu te diras quoi? Oui, ils sont venus nous le dire. Ça ne nous surprend pas, on s'est même renseigné auprès de certaines personnes, mais on a compris, donc c'est ça. Mais quelqu'un qui ignore totalement ses droits et ses devoirs, il ne sait même pas s'il est en erreur, il ne sait même pas s'il a raison. Vous venez l'appliquer quelque chose. Même s'il est dans le tort, il se dira, mais moi ça fait 30 ans, je suis en train de faire cette chose-là. Ce n'est pas toi qui es venu hier là que tu vas me faire ça. Quand même, il faut être un peu humain. Lui-même, il sait que pendant ces 30 ans-là, il était dans l'erreur. Pendant ces 30 ans-là, il était dans le faux, il n'a pas raison. Lui-même, il sait cela. Mais il ose quand même te dire que un peu d'humanité, un peu de respect, mon frère, ce pays-là nous appartient tous. Vous voyez le problème auquel l'autorité d'aujourd'hui est confrontée? Colonel, allez-y doucement, doucement. C'est très important. Ça, c'était une première chose. Deuxièmement, colonel Amara, colonel Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, il y a une partie du peuple qui estime que vous faites des choses partiellement, que vous avez pris position d'une partie et puis vous avez ignoré une partie, ou bien vous êtes contre une partie. Colonel, je vais vous dire la vérité. Colonel Amara Camara, je vais vous dire la vérité. Colonel Mamadi Doumbouya, je vais vous dire la vérité. Parce que si je ne vous dis pas la vérité et que je me taise là-dessus, je deviens l'ennemi du peuple et je deviens votre ennemi. Et je vais vous dire cette vérité. La partie du peuple qui estime aujourd'hui que votre politique est dirigée contre quelqu'un en République de Guinée, en grande partie, cette partie-là, c'est les militants de l'UFDG et de l'ANAD. Oui. Et moi, je dis les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles se présentent. Oui. Je ne disconviens pas aussi qu'il y a une portion de militants du RPG arc-en-ciel, une portion de la forêt et une portion de la basse-côte qui estiment quand même que vos démarches ne sont pas les meilleures et que vous avez pris parti. Mais la très grande partie qui estime réellement que vous avez pris position et que vous voulez faire mal à une partie, ce sont les militants sympathisants de l'UFDG et de l'ANAD. Et colonel, je vais vous dire une vérité. Cette vérité, c'est quoi? Vous devez comprendre que la Guinée ne peut pas aller de l'avant en ignorant les militants sympathisants de l'UFDG et de l'ANAD. En ignorant les responsables de l'UFDG et de l'ANAD. D'autres me diront, on s'en fout d'eux. Ne dites pas cela, c'est ce que vous avez dit sous le régime d'Alpha Condé. On s'en fout d'eux, sans eux la Guinée peut avancer.
La question que j'ai envie de vous poser là, est-ce que la Guinée a avancé? Vous les avez ignorés, vous avez essayé de les battre, vous avez essayé de les contrecarrer, vous avez essayé de faire de ce que vous voulez. La Guinée a avancé? On a dit, on ne refait pas les erreurs du passé. Ça a été une erreur de Alpha Condé et de ses militants sympathisants. Ça a été une erreur fatale. J'ai dit à Alpha Condé, tu t'es trompé de cible. J'ai dit aux militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, je leur ai dit que vous vous êtes trompé de cible. Oui. On peut s'attaquer à une minorité pour y essayer de les intimider. Mais une majorité féroce, quand vous vous attaquez à une majorité féroce, ça devient compliqué. Colonel, je vous dis la vérité. N'ignorez pas les militants sympathisants de l'UFDG. On vous dira que ce sont des peuls. Certains auprès de vous diront que ce sont des peuls. Ah non, ignorez, ah non, ils ne pourront absolument rien. On est prêt à tout faire. Ce qu'ils sont prêts à faire, nous sommes prêts à faire. Ceux qui disent que les militants de l'UFDG et les responsables de l'UFDG sont prêts à faire, eux ils sont prêts à faire, c'est qui? Qui est-ce qui dit ça? Qui est-ce qui dit qu'ils sont prêts à faire le contraire de ce que les militants sympathisants de l'UFDG sont prêts à faire? Qui? Qui est-ce qui dit ça? Ce sont nos propres parents. Oui. Ah oui, je vais prendre encore les coups après ce live. Je vais prendre des injures après ce live. Ce sont nos propres parents. Oui. Ce n'est pas les sous-sous qui vont dire, qui disent au colonel Mamadi Doumbouya, ce qu'ils sont prêts à faire, nous, nous sommes prêts à faire le pire. Ce n'est pas les sous-sous qui disent cela. Non, ce sont nos propres parents du Mandingue. Ils ont dit la même chose aux côtés d'Alpha Condé. Colonel Mamadi Doumbouya, je suis en train de vous dire la vérité là. Posez-vous la question. Ceux qui disaient que ce que les peuls sont prêts à faire en Guinée, nous allons le faire, nous allons faire pire et nous pouvons faire face à eux. Ce sont nos propres parents du Mandingue qui conseillaient comme ça Alpha Condé et qui faisaient croire à Alpha Condé que oui, ils sont prêts à s'interposer. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé, colonel? Colonel, je vais vous dire, colonel Mamadi Doumbouya, colonel Amara Camara, je vous dis une vérité. N'ignorez pas cette partie du peuple composée avec. Oui, sans eux, la Guinée ne peut pas aller de l'avant. C'est une vérité, je vous dis. Je ne vous dis pas que c'est eux qui vont avancer la Guinée. Mais sans eux, la Guinée ne peut pas aller de l'avant. Parce qu'ils constituent cette partie intégrante de la République de Guinée. Oui, il faut dire les choses telles qu'elles se présentent. Colonel, les ignorer, c'est faire une faute lourde. Et ça sera lourde de conséquences. J'en sais quelque chose. Oui, il ne faut pas écouter tout ce que nos parents vous disent, colonel Mamadi Doumbouya. Quand je dis nos parents, je parle des malinqués. Oui, je parle des malinqués. Il ne faut pas se fier à ce que nos parents, à tout ce que nos parents vous disent au sujet. Effectivement, parce que ce qu'ils disent, ils ne disent pas les militants de l'UFDG et de la NAD. Colonel Mamadi Doumbouya, vous savez très bien que moi, ils disent les peuls. Alors moi, je vous dis encore, ce qu'ils vous disent au sujet des peuls, colonel, il ne faut pas prendre ces conseils-là. Parce que vous risquez de tomber, colonel Mamadi Doumbouya, vous risquez de tomber. Et après, les mêmes personnes qui ont conseillé Alpha Condé, les mêmes personnes qui sont en train aujourd'hui de vous dire, c'est blablabla, le jour que vous allez tomber, ils ne seront pas là. Colonel, je vous dis, je vous préviens, Alpha s'est fait bouffer par le système. Vous, vous êtes notre espoir, vous êtes l'espoir du peuple de Guinée. Vous êtes l'espoir de la jeunesse guinéenne aujourd'hui. Écoutez les jeunes, colonel Mamadi Doumbouya. Il faut nous écouter. Nous qui sommes sur la toile, il faut nous écouter. Nous, nous sommes en contact avec le peuple. Nous écoutons le peuple. Le peuple nous écoute. Nous connaissons les véritables problèmes de la République de Guinée. Colonel, je vous dis la vérité. Hein. Moi, je ne vais pas avec le dos de la cuillère. S'il faut dire la vérité, je le dirai. Colonel Mamadi Doumbouya. J'ai dit ici aux gens, je dis, tous ceux qui s'attaquent injustement à Sidou Dalein Diallo, ils vont tomber. Les gens ne m'ont pas cru. Je vous ai dit, tous ceux qui s'attaquent injustement à Sidou Dalein Diallo, ils vont tomber. Colonel, je sais que vous ne vous attaquez à personne. Je connais votre détermination à relever ce défi. Je connais votre grande volonté à bien faire les choses, colonel. Je sais qui vous êtes. Je sais ce qui se passe dans votre tête à l'instant T même, colonel Mamadi Doumbouya. Je le sais et j'en suis conscient. Je le sais bien, mon colonel. Mais il faut que nous vous aidons.
Parce que les élites, les intellectuels ceux qui sont à vos côtés là, ceux qui vous appellent de cancan, ceux qui vous appellent de gauche à droite, qui vous disent les peuls. Quand tu entends Colonel Mamadi Doumbouya, un intellectuel malinqué, vous parlez de peul, il ne dit pas militant de l'UFDG et de l'ANAD. Vous parlez de peul, ou bien vous dire c'est les mêmes gens. Il faut complètement vous dissocier de cette personne. C'est lui qui prononce le mot peul à vos côtés, en vous donnant des conseils. Colonel, méfiez-vous de cette personne-là. Méfiez-vous de cette personne. Oui, méfiez-vous de lui. Parce que c'est un poison. Cette personne est un poison. C'est l'incarnation du diable. C'est comme ça qu'ils ont trompé Alpha Condé, mon colonel. C'est comme ça. Colonel Mamadi Doumbouya, colonel Amara Camara, je ne veux pas qu'on vous tienne des discours là pour dire c'est les mêmes personnes, pour dire c'est les peuls. Non, vous êtes des jeunes. Il faut que vous compreniez. Vous êtes des jeunes. Il faut que vous continuiez de travailler dans les règles de l'art. Il faut que vous vous déconnectez de toutes ces personnes qui tiennent des propos comme ça, colonel. Sinon, ça sera pire encore, colonel. Je vous le dis la vérité, mon colonel. Vous êtes un militaire. Vous n'êtes pas un politicien. Ne faites pas de la politique. Soyez un homme pragmatique, comme vous l'avez été le 5 septembre. Continuez ce pragmatisme-là. Continuez ce réalisme-là. Écoutez-nous, colonel Mamadi Doumbouya, s'il vous plaît. Écoutez-nous. Quand je dis nous, je parle de nous qui sommes sur la toile. S'il vous plaît. Je vous en prie. Je vous en prie, son excellence. Je vous en prie, son excellence. Je vous en prie. Écoutez-nous, s'il vous plaît. Parce que vous savez, après, c'est nous qui allons souffrir. C'est la vérité, colonel. Après, c'est nous qui allons souffrir. Oui. Vous savez, colonel, vous, si vous voulez, vous pouvez sortir de la Guinée. Mais je sais que vous n'allez pas accepter de fuir vos responsabilités. Mais colonel, s'il vous plaît, nous voulons que, histoire de transition, vous soyez le dernier président de la dernière transition en République de Guinée. Mais pour accomplir cette grande tâche, colonel, s'il vous plaît, je vous en prie. Je vous en prie. Ne faites pas l'erreur qu'Alpha Condé a fait. Je vous en prie, colonel. Ne refaites pas l'erreur qu'Alpha Condé a fait. Alpha Condé a pris cette partie du peuple comme son ennemi. S'il vous plaît, colonel, ne les considérez pas comme votre ennemi. Non. Je vous en prie. Vous avez vu le 5 septembre, la manière ils ont été accueillants envers vous quand vous êtes passé là sur l'axe, la manière dont ceux qui étaient traités sous le régime d'Alpha Condé comme des ennemis de l'État, la manière dont ils ont été humains, la manière dont ils vous ont montré qu'ils sont plus humains que ceux qui les combattent. Moi, je vous dis même, vous n'avez même pas besoin de mettre des dispositions sur l'axe ou quoi que ce soit. C'est des êtres humains, c'est des patriotes guinéens. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur d'eux. Colonel, dans le processus de développement de la Guinée, ils sont au premier plan. Oui, ils sont au premier plan. Ils ne sont pas au second, ils sont au premier plan. Oui, c'est une vérité. Dans le processus de développement de la Guinée, développement culturel, développement économique, développement social, développement sécuritaire, développement sanitaire, ils sont au premier plan. Et dans le processus de démocratisation de la Guinée, le combat politique, ils sont au premier plan. C'est une vérité absolue que je suis en train de vous dire. S'il vous plaît, mon colonel, je veux que vous réussissiez. Je veux que vous soyez le dernier président de la toute dernière transition de la République de Guinée. S'il vous plaît, je vous en prie, avec les deux mains au dos. Et si vous voulez, je peux même me mettre aux genoux.
Vous êtes le premier responsable de la République de Guinée aujourd'hui. Et il faut que ça réussisse, colonel. Oui, allez-y doucement, doucement. En allant doucement, doucement, ne considérez pas cette partie du peuple comme l'ennemi de la République, comme l'ennemi de votre pouvoir, s'il vous plaît. Vous êtes le chef. Le chef doit avoir toutes les qualités. Le chef est à la fois rigueur. Le chef est à la fois diplomate. Le chef est à la fois dur. Le chef est à la fois subtil. Le chef est à la fois bête. Oui. Et le chef est à la fois intelligent. Un chef doit avoir toutes les qualités. Je connais votre détermination. Mais je vous parle du système. Je vous parle du système. Je vous parle du système. Faites attention au système. Le système, c'est quoi? C'est la pratique dans l'administration. Ne faites pas confiance à tous ceux qui vous promulguent des conseils. Méfiez-vous de ceux qui prononcent le nom Peul en vous donnant des conseils. Ouais. Méfiez-vous de ceux qui vous disent en malinké, ah, keni wuleni wule fana yana la molle. Keni wuleni wule fana lana lisil, ana la boule. Méfiez-vous de ces gens-là. C'est des gens qui créent le feu en Guinée. Ah, et keni wokono kwa lele tae la Guinée dit. Ale tate la Guinée dit. Mais la Guinée kale al dit. Al tate la Guinée dit. Mais la Guinée douban lien. Ouais. Al tale fana la Guinée dit. Voilà. Al tate la Guinée dit. Mais al tale fana la Guinée dit. C'est ça. La Guinée andel tale dit. La Guinée al tale dit. La Guinée tol tale dit. La Guinée ambet tale dit. Mon fausse mankaka exclu. La Guinée, la développement, la Guinée, la, c'est-à-dire la Guinée, la processus de démocratisation. Mon faux manganka exclu comme il kafonya manka iré. Et quand iré la maruya. Manka loko, comme on kanason yeke yingu flade. Alpha kela yingu flade de colonel. Nde fama kante, nta fe yeke yingu flade. Parce que kalon tu es un homme de grand destin. Il s'en bina ni kopi sale. Nya fe yeke yenko fla le dit positivement. Alpha kela yenko fla le dit positivement et négativement. Mais nde ya fe le yeke yenko fla de positivement. Yenko fla. Et la yenko flo. C'est positif. Be ou li la beka boulofo. Pak 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 pak. Président Barana. Libérateur Barana. Eba ke bola fana. Et la yenko fla na. Eba ke bola. Be fana ete fo. Ah, président ka fo kwa da ke abarake. Et la yenko sabana. Eba na. Moi, je suis très folle à Sinadi. Moi, je suis très folle à Foko. Qui est le fan d'ici? Qu'on a ici? On a les faits. D'où même bras d'oké, ok, à les bras d'ani. Tom, elle est anti-olfe. Aïe, colonel, maman dit d'oumbou, y'a les faits. Aïe, n'a yassi. Même Faka, la embra, il m'a dit. Moi, je suis très folle à Foko. Et quand on a eu le coup, tabla la, le ou dit. Mome li na la ka foko flake na la nisile e kana wol kuma kan na medi akana kin na yere mak yere ko kandi kuma juba le odi ko flake na la nisile ay ali jon de mako nisile flake na la militant kuma wo e kana kuma wo tade e me fi mo wol ma mo jule wol di lagina mandi wol nya wiya fola le wol di na fi le wol di jamfante le wol di wolle kalfa jamfa men bedanya yi. Nde ta fe ka tu da fe kokoju ikila nti na sona aduma nyele nyekuma ya la main colonel parce que nya fe ye ben e ba ben la Guinée braben nta fe ye tien astagfirullah parce que ni tien la am c'est à dire la Guinée ka yere be aya sur la Guinée ka be kun ye ji le ro quoi mon site ici kun na wulila parce que na tien la dobra le nato men nato o di woketo di am mawlo. Transition, a n'y a fait, a d'agne qui l'a dit. Il est qu'elle la Guinée, la transition mansala bandi. Transition na bandi, qui est la transition dit. La Guinée ka baissa wa ila. Iba ke wala alo la Guinée ka baissa wa nil, in na koura n'y a meka. Colonel, n'ti n'en répéter là. Mais, la lilekan, n'ti n'en sait la oro. Tu n'y a fana, n'ti n'a tu n'y a douna ima. Founye tu n'y a founye. Parce que ni ma tu n'y a founye mbara ki djoudi. N'ti n'a ouya fole n'y a kouni ma brebre. Ninki mabrebre wiaka wallahi mbray trai mbra la Guinée trai la wala bifew ndeti fos main kalaila wa alhamdulillah nyembalu sorola nti dar la nti fos main kalaila mfananti nta fe yembla posla makoti wala
Parce que iban de boya ka wande bla poste de la Guinée. Mondo yi wona wonin de la capacité bekakan. Ou la lonia nin de la lonia bekakan. Mais wé chômage de laye, wo bla bara la nde ya nye bara de la. Certainement yere nde ya nye bara mena nye wodi men soro la. Hein, la Guinée ministre do liye ni signali irete alti wodi o soro la. Donc quand de boya ka fo konde il a atalaku ke kuyen de boya ka wambla poste de la Guinée, nti wo fe colonel. Nti wo fe. Parce que ni waran de dié ibara dou le bla chômage la wodi. Nde kanya. Billahi. Maintenant la lilikan na la main. Idouma la Guinée ka ben. Al kana bla ikuno ko i djouli douldi. I djouté la Guinée ka fousdi. Ya lo na nyamen ka ka fo ko i djouté la Guinée ka di. C'est que inani lo mena la Guinée ka belle se wani la. Fo la Guinée djoul. La Guinée djoul ye jondi mo mel trafic ou alpha e continue à l'eltre continue à la signal na à la ko djoul koka. Colonel Ireka dolo. Ah, il est cadeau long, parce que ni très ma couque le 5 septembre. Il est long, comme un très au coco. Au bête, il n'y a pas là. Comment bête, il faut la réseau, coca. Mais la lécan, n'a même pas. Mbaradanye. Colonel Amara Kamara, Idion, conseil béré du colonel Mamadi Doumbouyama. A qui est à l'agne. Il est refana, il comportait à Numala. Alfla, l'yé. Ali al kasiade me jama nyaayi al flalila. Oui. Ali janto ali relo, ali janto baranyumalo, ali baranyumake. La Guinée musu le di musu me barakoro. Sam biworo anisaba. Abra ko belon. Al tina fous fola la Guinée kwa mameno. Boy. Al kon di ko kelen de fola la Guinée. Al di ko kelen de ke la Guinée la Guinée makou meno. Wole ka sariya la tama nyama. Mais comme la Guinée musu le di momé ma sarial musu me ma sarial on sariya ma aplika koka albake sariya aplike la musu koka alia ke kunye parce que nal ka fo kwalia ke fankala sariya ka fo nyama ka kwalia ke onya ko flale soit aldafa parce que musu kroninde sambi sabani sambi woroni saba nal ka fo kwalie o loi sariya aplike la okanya doka soit alda basika fa. Parce que a hakili baraja. Eh, mon même barawa hansam biworo ni sans saba. Il est bafo kui alphabet la do okuno fankala. Atina dona fuya basile. Ida basi han idise parce que atina dona ya fe kwa idunya me katina dona oya. Donc, wo mususufa ye wala le doni o kofala kwa ya nyai. Mbara dai. Kuma ta la chaya fe. Mbara do le fodi na la sona andina do fo sinifana. Mesdames et messieurs, je m'excuse. Pour ceux qui ne comprennent pas le malinké, mais j'essaie aussi de parler un peu dans cette langue. Et Inch'Allah, demain, nous allons continuer les explications, nous allons continuer la sensibilisation. Je vous aime, j'aime ma patrie qui est la Guinée. Merci beaucoup Fifa et Diallo pour les 1000 étoiles. Je vous aime, j'aime ma nation. Je suis ici en France, malgré la Guinée, j'aime la Guinée. La Guinée, c'est-à-dire... Parler de la Guinée, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de plus douce que cela pour moi. Si je passe une journée sans parler de la politique guinéenne, je ne me sens pas heureux. Tous ceux qui me connaissent, ils le savent. Je passe une journée sans promulguer des conseils, sans contribuer à la construction de l'édifice guinéen. Billah, je me sens mauvais ce jour-là. Oui. Donnez-moi toute la nourriture. Mais si je ne parle pas de la politique guinéenne, je me sens mauvais, je me sens souillé. Parce que je me dis, à l'instant T où même je refuse de parler, où je me tais, il y a quelque chose de mal qui se passe. Là, je dois me renseigner et je dois parler à ces gens-là pour qu'ils comprennent. C'est pourquoi je suis là devant vous. Chaque soir, à chaque moment, je reste en contact avec vous. Vous dispatcherez au maximum cette vidéo partout, dans tous les groupes possibles. Envoyez à tous les parents. La Guinée, c'est pour nous tous. 245 857 km², 24 ethnies. Nous devons utiliser notre diversité à bonne échéance pour aller de l'avant. Personne n'est l'ennemi de la Guinée. Nous voulons tous le développement de la Guinée. Appliquons la loi dans la douceur. Appliquons la loi dans la gentillesse. Appliquons la loi avec subtilité. Parce que la Guinée, c'est une femme de 63 ans. C'est pas facile. La peau est fragile. Les os sont maintenant fragiles. Il faut aller doucement. Merci beaucoup. Wassalam. À demain, Inch'Allah.